Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous présente un nouveau jeu, ça s'appelle Plouf dans l'eau. Donc c'est l'histoire d'un petit personnage qui est ici. Coucou! Il démarre ici sur le pont, c'est marqué départ, et il veut arriver jusqu'ici. Mais pour traverser la rivière, il faut qu'il traverse sur les pierres qui sont toutes ici. Hop! Et il faudra nommer tous les numéros. À chaque fois qu'il sera sur la pierre, il faudra qu'il nomme le numéro. Sinon il ne pourra pas traverser. Donc voici le premier jeu. Le petit bonhomme démarre ici et il dit tous les numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo, gagné. S'il s'était trompé, eh bien il plongera dans l'eau et il aura perdu. Il faudra qu'il recommence. Je te montre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Oh! Plouf dans l'eau! Perdu, c'était le 8. Donc dans ce cas-là, il faut recommencer. Donc ce jeu-là, pour les moyennes sections, vous pouvez vous arrêter petite et moyenne section jusqu'à 10, voire jusqu'à 15, ce qui arrive. Et pour les grandes sections, ce sera jusqu'à 20, voire jusqu'à 30, si tout se passe bien. Donc une variante du jeu maintenant. C'est que je vais retourner des pierres pour mettre, regardez, des nénuphars. Ils sont verts. Un nénuphar vert, un autre, allez, ici. Hop, un autre ici. Et quand tu passeras sur les nénuphars avec ton bonhomme, il faudra juste dire le chiffre, le nombre dans ta tête. Tu n'auras pas le droit de le dire tout fort. Tu devras juste le dire dans ta tête, d'accord? Si tu te trompes et que tu le dis alors que tu ne devais pas le dire, regarde celui-ci par exemple, si tu dis celui-ci, eh bien tu te plongeras dans l'eau. Donc attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20. Gagné! Donc là, je l'ai dit dans ma tête. Ou si tu veux, tu peux le dire tout bas comme ça. D'accord? Mais l'important, c'est de ne pas le dire tout fort, sinon il va plonger dans l'eau. Je te remontre comme si je me trompais, d'accord? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ah! Plouf dans l'eau! Perdu! J'ai dit le 10 alors qu'il était sur le nénuphar. Alors qu'il ne fallait pas le dire. Alors, bah, du coup, vous pouvez faire le jeu en changeant les nénuphars. Hop! Tu peux retourner les nénuphars ou tu peux en mettre plusieurs, si j'y arrive. Plusieurs d'affilée. Et attention, il ne faudra pas prononcer les nombres qui sont en vert. D'accord? Allez, je te laisse jouer.